sommes aujourd'hui le dimanche de septembre et nous vous amenons à Cabis, le magnifique petit village béarnais. Il y a la montagne aussi, un statut particulier. C'est joli. Vous voyez, l'extérieur a vraiment également besoin d'une rénovation. Et là-haut, vous verrez, il y a la Vierge. Je suis contente de vous présenter M. Jean-Claude Cristobal, qui est devant l'ancien presbytère qui a été rénové et qui est devenu maintenant une salle municipale et également où il y a des réunions pour les personnes des pays, les Cabisiens. Bonjour Monsieur Cristobal. Il y a une association qui a été créée justement pour promouvoir Cabis, Toustem Cabis. Oui, cette association a été créée en 1991. À l'époque, le maire était Jean de Zonnois. Et comme nous avions repris les fêtes locales, qu'on avait besoin d'une structure un peu plus conséquente, on a créé ça avec pour but de faire connaître Cabis et de faire aimer Cabis. Et cette association est ouverte à tout le monde, elle n'est pas ouverte qu'aux Cabisois, puisqu'on a à peu près 150 membres qui sont d'un peu partout et qui aiment Cabis. Donc on a une activité assez conséquente durant l'année. Notre association est chargée d'organiser les fêtes de Cabis, mais nous avons également des réunions, des soirées qui se font dans la salle communale. Et en 2017, nous avons décidé de trouver des moyens pour, disons, remettre en état notre église, la restaurer, parce que, bon, bien sûr, nous sommes une commune qui comprend Bruges, Cabis, Miffagé, et la commune, malheureusement, son budget ne lui permet pas d'entretenir trois églises, trois salles communales. Donc notre association, qui a déjà fait plusieurs activités dans l'église depuis des années, c'est-à-dire des concerts, des expositions, quelques meilleurs moyens. Mais sans passer le tracteur. Le meilleur moyen pour essayer de récolter des fonds, sans que ça coûte rien à la commune, et disons, on a lancé ce qu'on appelle un fonds de dotation, qui est assez, une structure assez spéciale de l'État, qui nous permet de recueillir des dons et de redonner un rescrit fiscal qui permet aux gens qui donnent de déduire 66% de leurs impôts. Et pour les entreprises, il y a des statuts un peu particuliers. Donc cette association, enfin c'est pas une association, donc c'est un fonds de dotation, existe maintenant depuis 2017. Et nous avons démarré avec une somme obligatoire gérée par la loi de 15 000 euros. Et actuellement, au bout d'un an, nous sommes à 43 000 euros. Et nous venons de lancer un financement participatif par D'Artagnan, qui est un organisme qui permet de lancer ça au niveau national et peut-être même mondial, si possible. Et vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site du fonds de restauration. L'adresse est simple, c'est Restauration Église de Cabis. Et vous allez voir, c'est le quatrième qui va sortir à restauration. Il y a quatre fondations qui s'occupent d'église, dont Cabis. Globalement, en France, il y en a 250. Et l'année où on l'a créé, en 2017, il y en a eu 4 qui se sont créés seulement. Très bien. De toute façon, sur ma vidéo, j'indiquerai toutes les coordonnées pour que les personnes qui veulent participer à cette souscription puissent le faire. Je vous remercie de nous avoir parlé de ce magnifique village qui est vraiment cher à mon cœur. Merci beaucoup. Je viens de prendre.
ça, c'est les maisons. Ah, le médaillon, c'est là. Ouais. Après, ce qu'il disait, ça sert à... Bah, il faut qu'il efface ça avec les aides. Je crois que l'oubli de fermer le portail s'échappe. C'est fait qu'il a servi. Bye bye, Calbis. Voilà, j'étais très heureuse de vous présenter la magnifique petite église de Calbis et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Mission News. À bientôt. Et la montagne aussi a un statut particulier.